Olivier Calmel lors d'une création en 2018 sur Call of Cthulhu, donc une pièce pour 4 quatuors de corps solo et harmonie que nous avons créée avec les collègues de la région centre et que nous avons joué lors d'une tournée régionale. Et donc est venue l'idée de faire cette création et Olivier a très gentiment accepté. C'était un grand bonheur d'écrire pour un tel soliste que je connaissais déjà puisqu'on avait déjà collaboré ensemble sur un concerto et qui est, ma foi, une personnalité musicale assez hors du commun. L'avantage de travailler avec un compositeur qui a encore envie, c'est qu'on peut dialoguer avec lui pour savoir exactement ce qu'il veut, à quel moment, à quoi il a pensé pour faire la pièce, dans quel esprit il l'a pensé, dans quel esprit il faut le jouer pour l'interpréter au plus proche de ce qu'il pensait en l'écrivant. Olivier Calmel, il y a quelques années maintenant, on était en classe d'orchestration ensemble et on a fait quelques projets ensemble, deux contes musicaux. J'ai joué une sonate pour piano et percussion avec mon frère d'Olivier, c'était la première chose qu'on a fait ensemble et puis j'ai aussi enregistré la musique qu'il a composée pour le cinéma. Moi qui ai travaillé, enfin qui ai joué pas mal de musique d'Olivier, bon, en quelques secondes, on retrouve complètement son univers, avec notamment une sorte de jouissance du rythme très présente, et beaucoup de contrepoints, enfin, très variés, très colorés. Chez Clart, on marche beaucoup à l'humain sur les rencontres, sur les premières attaches qu'on peut avoir avec les différents compositeurs ou arrangeurs, puisqu'on a à la fois du matériel original, mais aussi de la transcription chez Clart. Et on est toujours dans un parcours humain extrêmement fort avec les personnes qui viennent nous voir pour éditer chez nous. Olivier Calmel est un ami depuis longue date. Maintenant, chez Clart, il a beaucoup d'éditions chez nous, on est sur un travail de confiance, de long terme avec lui, et c'est vrai que tous ces projets, nous les accueillons avec beaucoup d'enthousiasme. L'aspect novateur chez Clart, c'est qu'on a au niveau des éditions à la fois du PDF et des partitions papier, ce qui permet un impact économique qui est très intéressant pour nos clients, pour les acheteurs, et aussi de réduire l'impact écologique grâce au PDF. Une sonate qui est extrêmement basée sur la couleur et la matière sonore. Olivier travaille beaucoup ces choses-là et peut aller à la fois sur la couleur assez épaisse, chose qu'on a plutôt sur le corps, la richesse de son et une écriture assez particulière avec le piano qui fait que vraiment je vous invite à le découvrir. Une pièce assez courte qui aille vite à l'essentiel et qui explore techniquement vraiment un panel très large de possibilités de l'instrument et permettre de mettre en valeur les immenses qualités techniques et instrumentales de Florian. Cette sonate est difficile pour la mise en place avec le piano, elle est aussi très rythmique et elle explore toute la tessiture de l'instrument, aussi bien le grave que l'aigu. Voilà, j'ai exploré à la fois, comme le disait Florian, tous les registres de l'instrument, à la fois toutes les possibilités techniques en termes de détaché, de staccato, d'accentuation, de legato, et évidemment dans les registres aigus qui sont quand même les plus tendus, les plus difficiles à atteindre, une limite. C'est quand même une œuvre comme ça qui a donc probablement l'impression d'être beaucoup plus facile à l'écoute que c'est vraiment pour l'exécutant. Thank you.
de trouver le son qu'il veut, la sonorité qu'il veut, et en plus encore, de le modifier comme il veut. Il y a plein de couleurs que cette œuvre demande pour vraiment pour le sublimer. On ne peut pas vraiment jouer avec un son. Il faut vraiment, vraiment aller à travers toute une palette de couleurs sonores. Donc il faut un instrument qui permet à ses amants, au jeune virtuose qu'il a joué ce matin, de vraiment justement de pouvoir moduler, modifier ce son. Le Hans Hoyer que joue, donc le Cadis, il est très bien justement pour ce genre d'œuvre parce qu'il n'a pas de trou dans la tessiture. Le grave sonne aussi bien que l'aigu, que le médium grave. Du coup, bah déjà, ça permet de couvrir toute la tessiture. Il ne faut pas oublier qu'un instrument de musique, après tout, c'est un amplificateur. Donc, c'est quand même le musicien qui est derrière, qui est vraiment le créateur du son. Notre but, c'est quand même, assez ensemble avec le musicien, de trouver cet outil de travail qui va permettre au musicien de s'exprimer le plus librement possible en fonction de ce que lui il ressent et en fonction de ce qui est demandé par l'œuvre qu'il veut interpréter. C'est un corps où on peut très bien avoir des couleurs plus rondes, plus sourdes, plus claires, plus définies, un peu moins définies. Et donc ça permet dans une pièce comme ça qui, je pense, joue beaucoup sur les couleurs, sur les manières de définir les notes, de les accentuer et tout. Ça permet de pouvoir s'exprimer librement sur la pièce. C'est une sonate qui joue beaucoup sur le rythme, sur les accentuations et beaucoup de couleurs qui sont différentes dans l'harmonie. Pour cette sonate, quelque chose qui, à la fois évidemment techniquement, repoussait les limites de l'instrument, mais également avait du sens dans cette volonté de créer de la joie, mais une joie qui n'est pas une joie, si vous voulez, toujours extériorisée, qui est aussi une joie intérieure, qui au départ commence par un choral, qui permet de poser le son, qui permet de poser rythmiquement aussi les bases, avant de se développer inexorablement vers un final qui est assez virevoltant et très rythmique. Donc je voulais vraiment quelque chose qui soit d'abord une joie intérieure avant d'être une joie qui s'exprime au monde.